Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de pyjamariche.com, le blog des entrepreneurs malins qui se bougent. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'intitule La meilleure façon de gérer son argent quand on est un panier percé, partie 2. Gérer son argent comme un boss, la méthode des enveloppes. Alors, ce podcast fait suite à mon précédent podcast qui avait le même titre. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à le regarder tout d'abord. Donc j'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo, comme ça tu regardes d'abord ça avant de regarder celui-là, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre, c'est très important. Donc la dernière fois, je t'ai expliqué pourquoi utiliser le cash est la meilleure façon de gérer son argent quand on est un panier percé. Aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin et te donner une astuce simple et efficace pour gérer au jour le jour ton budget, peu importe la taille de ton budget. Beaucoup pensent que les gens fauchés sont tous pauvres. Enfin, sont des pauvres. La vérité, c'est que des paniers percés, il y en a dans toutes les couches sociales. Que tu gagnes le minimum salarial ou des milliers d'euros par mois, une mauvaise gestion entraîne la ruine dans tous les cas. Personnellement, j'ai connu des gens qui gagnaient 10, 15 000 euros par mois et qui n'avaient jamais un radis en poche pour diverses raisons. Parce que n'oublie jamais la formule magique, si tes dépenses sont supérieures à tes revenus, égale caca. Si tes revenus sont supérieurs à tes dépenses, égale bonheur, tout simplement. Donc cette méthode que je vais t'expliquer pas à pas va donc te permettre de gérer de manière simple, ludique et efficace ton budget. Tu ne seras plus jamais fauché si tu suis mes conseils. Bien évidemment, elle peut paraître bête à certains. Mais je sais que pour d'autres, ça peut vraiment faire la différence. La méthode en question s'appelle la méthode des enveloppes. Tu as dû peut-être entendre parler auparavant, mais je vais t'expliquer grosso modo comment ça marche. L'idée est simple, c'est de te forcer à respecter un budget précis chaque jour et de t'y tenir coûte que coûte. Lorsque tu reçois ton salaire, prenons par exemple 1 000 euros pour la facilité des calculs, tu payes en premier. Les factures vitales, loyer, eau, électricité, différentes factures, téléphone, internet, etc. Après avoir payé tout ça, imaginons qu'il te reste 400 euros. Tu retires ces 400 euros en espèces, parce que le cash, c'est ton ami. Tu calcules le nombre de jours qu'il te reste avant jusqu'à ton prochain salaire. Pour l'exemple, on va dire 30 jours. Tu vas maintenant acheter 30 enveloppes. Ou si tu les as à la maison, c'est encore mieux. Tu divises tes 400 euros par 30, ce qui nous donne 13 euros, 13,30. On va donc arrondir à 13 euros. Tu vas mettre 13 euros dans chacune de tes 30 enveloppes que tu rangeras bien précieusement. Voilà donc ton budget quotidien, 13 euros. Le but du jeu, c'est de ne pas dépasser plus que ces 13 euros chaque jour. Chaque matin, tu vas prendre une nouvelle enveloppe de 13 euros et ce sera ton budget pour toute la journée. Alors bien évidemment, tu n'es pas obligé de dépenser les 13 euros complètement chaque jour. Le but, c'est même que tu en dépenses moins. À la fin de ta journée, s'il te reste quelque chose, tu le ranges dans une enveloppe spéciale qui sera ton enveloppe épargne et à la fin des 30 jours, tu feras ton bilan. Alors dans ton bilan, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes si tu as bien respecté ton budget journalier jusqu'au bout. Combien as-tu mis de côté? Si tu as fait des excès, quels étaient-ils? Ces excès étaient-ils vraiment nécessaires? Etc., etc. À la fin du premier mois, tu dois être capable d'identifier tes forces et tes faiblesses. Tu dois ajuster ton budget au mieux, faire une moyenne de ce que tu as dépensé sur les 30 jours, comme ça tu sais vraiment de combien tu as besoin pour vivre chaque mois. Alors cette méthode paraît vraiment basique, mais lorsque tu t'y tiens, et que tu t'auto-analyses sincèrement, tu obtiens des résultats surprenants et ça changera ta vision des choses. Tout d'abord, tu évites le découvert. Ensuite, tu apprends à épargner. Et ça te permet aussi de voir qu'il est possible de vivre avec beaucoup moins que ce que tu imaginais. Alors, ne te base pas sur les chiffres de mon exemple. Tu dois faire tes propres calculs, noter tes dépenses vitales, bien t'assurer de toutes les régler en priorité, etc. L'argent des enveloppes doit être ton argent net après toute dépense importante. Bref, à toi d'ajuster tout ça à ta sauce. Moi, je t'ai juste donné
le plan d'attaque. Et comme toujours, rien ne vaut la pratique. À toi maintenant de prendre des décisions et les actions nécessaires sur ta vie. Sachant que la fin de l'année approche et tu dois préparer ta nouvelle année dès maintenant si tu veux du changement. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour changer. La vie est belle et vaut le coup d'être vécue lorsque on vit de la bonne manière et qu'on est malin. N'oublie jamais que tu es le capitaine de ta vie. J'aimerais bien d'ailleurs avoir un retour d'expérience sur cette méthode, sur ce que cela t'a apporté ou pas, quelles idées tu as eues pour l'améliorer, si tu as des suggestions, etc., etc. Tu sais bien qu'ici, on partage le positif. Donc, n'hésite pas à laisser ton commentaire en bas de cette vidéo. Et également, bon, si c'est pas encore le cas, de t'abonner à la chaîne parce que là, il y a du contenu très très intéressant là qui arrive bientôt. Donc, ce serait dommage que tu loupes tout ça. Donc, tu t'abonnes, tu appuies sur le petit bouton rouge s'abonner comme d'habitude. Bon, toi, je sais que tu es déjà abonné, hein, tu es un vieux routard, comme on dit. Mais c'est pour les nouveaux. Abonnez-vous. Plus on est nombreux, mieux c'est. En tout cas, si le podcast t'as plu, si cette méthode t'a plu, laisse le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si ça t'a pas plu, tu peux laisser aussi un pouce bleu en bas, là, le petit pouce en bas, il n'y a pas de problème, c'est sans rancune, personne n'est parfait. Et puis donc, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Et sur ce, salut et bon courage à toi!